Je suis avec les deux champions du tournoi qui s'est déroulé ici au club de golf Elm Ridge pour une durée de 4 rondes, donc du 27 au 30 juin. Noémie Paré de Victoriaville et Étienne Papineau de Pine Grove, félicitations! Noémie, je vais commencer avec toi. Donc, je veux souligner, parce qu'on est en entrevue, que tu as également remporté avec ton équipe d'université américaine Barry. Tu as remporté le championnat de la NCAA de la Division 2. Félicitations, d'ailleurs, pour ta victoire. Là, je veux savoir, qu'est-ce que tu as retenu de ce tournoi que tu as utilisé aujourd'hui pour remporter le championnat des U25? En fait, notre victoire, on l'a gagnée par un seul coup. Et quand tu es avec une équipe, tu veux très bien faire pour toi-même, mais bien sûr pour l'équipe, parce que le championnat, c'est le championnat d'équipe. Donc, j'ai appris aux nationaux que c'est toujours important de continuer à travailler, continuer à avancer, peu importe ce qui s'est passé avant, parce qu'une seule shot pourrait déterminer ce qui gagne et ce qui ne gagne pas. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et j'ai été capable de garder cette attitude-là aujourd'hui pour rester au moment présent et d'avancer vers l'avant. Étienne, tu as fini tes 4 rondes avec moins 4 et tu as réussi à rester meneur presque toutes les rondes. Donc là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui était à ton avantage pour ce tournoi? Mais je pense que depuis le début de l'été, j'ai vraiment travaillé fort. J'ai fait une bonne combinaison entre le repos puis la pratique puis tout ça avec mes entraîneurs. Fait que, je pense que ça m'a aidé énormément. Prendre du repos, ça m'a énormément aidé. Puis, comme je dis souvent, la patience, c'est ce qui fait en sorte que je joue bien ou que je joue mal souvent. Et puis, comme j'ai dit, la 2e-3e ronde, j'ai un peu plus de la misère avec la patience. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment gardé le focus. Je me suis concentré sur ma game. Puis je me suis dit, arrivera ce qui arrivera. Puis, comme le fait, j'ai gardé une super belle attitude. Puis, j'ai réussi à remporter le tournoi. Je pense que je suis très content de moi. Parfait. Là, en 30 secondes, si je vous demande, qu'est-ce que vous direz à un non-golfeur qui veut commencer à aller jouer au golf? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait aller jouer au golf? Noémie? C'est agréable. Dans une belle, dans un beau parc, comme tu dis un petit peu, avec des beaux paysages. Ça peut être agréable avec ta famille, avec tes amis, juste pour s'échanger des idées. Étienne? Je pense que ça te fait découvrir plusieurs places, plusieurs beaux paysages, comme on a eu cette semaine à Elm Ridge. Je pense que ça t'aide aussi à dépasser tes limites et à te surpasser. Bien, super, félicitations encore à vous deux. Merci. Sortez golfer. Sortez golfer. Sortez golfer, certain.